In the next few evenings, we're going to talk about the book of Revelation. Dans les prochaines conférences, nous allons parler du livre de l'Apocalypse. This is really an amazing book in the Bible. C'est un livre incroyable dans la Bible. And you know, there are people that believe that it shouldn't be in the Bible. Et savez-vous, il y a des personnes qui disent que le livre ne devrait pas être dans la Bible. And then some people say that it is incomprehensible. Il y a des personnes qui disent que on ne le peut pas comprendre. But you know, the Bible is a perfect balance. Mais savez-vous, la Bible a un équilibre parfait. And without the book of Revelation, the Bible would just not be complete. Et sans le livre de l'Apocalypse, la Bible ne serait pas complète. We're going to talk about the seven churches and the first few chapters of the book of Revelation. Nous parlerons des sept églises ce soir dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. But before we go there, let's just briefly look at the structure of the book of Revelation. Mais avant de parler des églises, nous voulons voir la structure du livre de l'Apocalypse. You know that some churches have claimed that the book of Revelation is a closed book. Il y a des églises qui disent que le livre de l'Apocalypse est un livre fermé. And some have even gone so far as to say that we shouldn't read that book. Et il y a des églises aussi qui nous disent que nous ne devrions pas lire ce livre. But we read there in verse 3, mais nous lisons au verset 3, chapitre 1. Blessed is he that readeth. Heureux celui qui lit. And they that hear the words of the prophecy. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. And keep the things that are written there. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. For the time is at hand. Car le temps est proche. How do you want to keep something if you don't know what it says? Comment pourrions-nous garder quelque chose sans savoir ce qu'il dit? And why would you want to miss the blessing that goes along with reading it? Et pourquoi devrions-nous ne pas recevoir la bénédiction promise par ceux qui lisent les paroles du livre? So the very first verses in the book of Revelation tell us that none of those theories are true. Alors, les premiers versets dans le livre de l'Apocalypse nous disent que c'est pas vrai ce que nous entendons de ces églises. Like all the other books of the Bible, comme tous les livres dans la Bible, the book of Revelation, like all the others, is about Jesus. Le livre de l'Apocalypse, comme tous les autres livres, se centre sur Jésus. Yes, it has terrible stories in it. Oui, il y a des histoires incroyables dans ce livre. It's got complicated prophecies in it. Il y a des prophéties qui sont compliquées. And if you divorce these from Jesus Christ, mais si on sépare tout ce matériel de Jésus-Christ, then you miss the point of the book of Revelation. Nous passons à côté de l'essentiel, du point central. You know, Jesus spoke about the scriptures. Savez-vous, Jésus a parlé de la Bible. And he said, "These are they that testify of me." Et il a dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. And so the book of Revelation must also testify of Jesus Christ. Et alors le livre de l'Apocalypse doit aussi rendre témoignage de Jésus-Christ. Now, the amazing thing about the book of Revelation is that it has a structure. Alors la chose incroyable du livre de l'Apocalypse, c'est qu'il a une structure. And we'll talk about that structure in a moment. Et nous parlerons de cette structure dans un moment. But then it has structures within structures. Mais il a aussi des structures dans des structures. And in the very first chapter, we have something called an epanados. Et dans le premier chapitre, nous avons quelque chose qui, une structure qui s'appelle epanados. This is where the prophet quotes certain Old Testament books. Et le prophète cite certains livres de l'Ancien Testament. In a very particular sequence, dans une ordre très particulière, exact, so as to bring out a certain point. Pour faire ressortir un certain point. So in the first chapter, for example, he quotes the book of Isaiah. Et alors, par exemple, dans le premier chapitre, il cite le livre de Isaïe. As his first quote in this structure. Et c'est donc sa première citation dans cette structure. And his last one will also be from the book of Isaiah. Et sa dernière citation sera aussi du livre de Isaïe. The second one from the book of Daniel. La seconde citation c'est du livre de Daniel. The second last one from the book of Daniel. Et l'avant-dernière c'est aussi du livre de Daniel. Then the third one from Zechariah. Et la troisième du livre de Zacharie. And third from the back, Zechariah. Et l'avant-avant-dernière c'est aussi de Zacharie. And in the middle he quotes Isaiah. Twice.
Et au milieu, il cite le prophète Isaïe deux fois. So the structure points to the middle. Et alors, la structure même nous amène au milieu. And we want to ask ourselves, what does the middle say? Et nous nous demandons, quel est le contenu de ces citations au milieu de la structure? There are two statements there in Revelation 1:8 and 1:11. Il y a deux citations là, Apocalypse 1:8 et Apocalypse 1:11. And these are the great I am statements. Et ce sont les grandes citations du Je suis. From the book of Isaiah. Du livre de Isaïe. So the structure tells us that Jesus Christ is the great I am. Alors la structure même nous dit que Jésus-Christ est le grand Je suis. He is the witness. Il est le témoin. His word is a sharp sword. Sa parole est l'épée aiguë. He is the priest. Il est le prêtre. He will come with the clouds. Il vient avec les nuées. They're the ones that pierced him. He was pierced. C'est lui qui fut percé, transpercé. And he's the high priest who walks amongst the candlesticks. Et c'est lui le grand prêtre qui marche au milieu des sept chandeliers. Who is he? Qui est donc lui? He is the great I am. Et c'est le grand Je suis. Do you know that today that is the most attacked truth in the world? Savez-vous qu'aujourd'hui dans le monde c'est la vérité la plus attaquée, celle-ci? Nobody minds if Jesus is just another prophet. Personne n'a des problèmes si Jésus est juste But un prophète. If he is God, then there is a problem. Mais s'il est Dieu, alors là, il y a un problème. Because then what happens to all the other religions? Parce que, qu'est-ce qui va se passer avec les autres religions? Then they have to play second fiddle to Jesus Christ. Elles doivent se placer en seconde place après Jésus-Christ. And so that is not tolerable in the world that we live in today. Et nous ne pouvons pas tolérer une situation pareille dans le monde aujourd'hui. In Revelation 1:8-10. Apocalypse 1, 8 à 10. He says, I am the Alpha and the Omega. Ça nous dit, je suis l'alpha et l'oméga. The beginning and the end. C'est-à-dire le commencement et la fin. Says the Lord. Dit le Seigneur Dieu. Which is. Celui qui est. And which was. Celui qui était. And which is to come. Et qui vient. The Almighty. Le Tout-Puissant. Now who is that? Alors, c'est qui cette personne? Who is the one who was, celui qui était, is to come, et qui vient, and who is? Et celui qui est. That's only Jesus Christ. C'est seulement Jésus-Christ. So here he is identified as the Almighty. Alors ici, on l'identifie à comme le Tout-Puissant. And that is central to the book of Revelation. Et c'est une idée centrale dans le livre de Apocalypse. And I want to go so far as to say that all the wars in our world. Et je voudrais bien dire que toutes les guerres dans notre monde have a religious basis. Ont une base religieuse. And the end game of that entire conflict on this planet. Et le but de cette tragédie, de cette bataille pendant les siècles, is to remove Jesus Christ from this throne that he is on. C'est d'enlever Jésus-Christ de ce trône où il est assis, le Tout-Puissant, and put him on the level of all the other religious founders in the world. Et de le placer au même niveau que tous les autres fondateurs de religions. And the final conflict. Et la bataille finale will be about us. Ça nous concerne tous. Do we accept the sovereignty and the deity of Jesus Christ or do we not? Est-ce que nous acceptons la souveraineté et la divinité de Jésus-Christ ou bien pas? And how do you acknowledge someone's sovereignty? Et comment est-ce qu'on reconnaît la souveraineté d'une personne? By obeying them? En les obéissant. By worshiping only them? En les adorant. Et seulement eux. That's how you acknowledge the deity and the sovereignty. C'est comme ça que on reconnaît la souveraineté et la divinité d'une personne. So what will the war be against? Et alors la guerre sera contre quoi? It will be against the sole acknowledgement of Jesus Christ as God. Elle sera contre l'idée de reconnaître Jésus-Christ comme Dieu. And every effort will be made to keep us from obedience. Et tout effort sera fait pour éloigner et décourager les gens à l'obéir.
Now, if we turn to the book of Genesis, alors si nous allons au livre de la Genèse, in the book of Genesis, we lost the right to the tree of life. Dans le livre de la Genèse, nous avons perdu le droit à l'arbre de la vie. That's Genesis chapter 3, verse 22. Nous trouvons ça en Genèse chapitre 3, 22. The consequence of our disobedience, la conséquence de notre désobéissance, was death. Fut la mort. Genesis 2, verse 7. Genèse 2, 7. From that time onwards, we had to earn our bread by the sweat of the brow. De ce temps en avant, c'est à la sueur de notre visage que nous gagnons notre pain. Genèse 3:19. Man lost dominion over the planet. L'humanité a perdu la domination sur le planète. And Satan claimed it. Et Satan revendique cette domination. Genesis 3:24. Genèse 3:24. In Genesis, we are told that we lost our robes of righteousness. We were naked. Et dans la Genèse, on lit que l'humanité perd sa robe de justice, elle est nue. And they were driven from God, Genesis 3, verse 23. Et ils sont chassés du jardin de l'Éden par Dieu, Genèse 3, 23. Now, if that situation remained like that, alors si la situation était restée comme ça, we would be in a very sad state. Nous nous trouverions dans une situation pénible. And that's where the book of Revelation is the antithesis of the book. Et voilà donc le livre de l'Apocalypse qui est l'antithèse du livre de la Genèse. And where sin led to death, grace will lead to life. Et où le péché a conduit à la mort, la grâce conduit à la vie. In Revelation chapter 2, verse 7, Apocalypse chapitre 2, verset 7, we are restored to the tree of life. Nous recevons la restauration à l'arbre de la vie. In Revelation 2:11, Apocalypse 2:11, you have victory over death because Christ had victory over death. L'humanité reçoit la victoire sur la mort car Christ a vaincu la mort. In 2:17, there's the hidden manna. 2:17, nous parlons de la manne cachée. That is the bread that will never leave you hungry. C'est le pain qui nous ne lassera jamais avec de la faim. In Revelation 2:26. Apocalypse 2, 26. Dominion is restored. La domination vient restaurer et rétablie. In Genesis, in Revelation 3, 5, Apocalypse 3, 5. You are clothed in white. Une personne vient vêtue de blanc. So you get back the robe of righteousness. Alors on reçoit encore une fois la robe de And justice. There's no more separation from God. Et il n'y aura plus de séparation de Dieu. Everything that was lost in the book of Genesis, tout ce qui avait été perdu dans le livre de la Genèse is restored in the book of Revelation. Vient restaurer dans le livre de l'Apocalypse. Do you still want to throw the book of Revelation out of the Bible? Est-ce que vous voulez ignorer le livre de l'Apocalypse? Do you think for one moment that this restoration, pensez-vous que cette restauration will be without a battle and a war? Sera sans bataille et sans guerre? Do you think the devil will give up his dominion freely and easily? Est-ce que vous pensez que le diable va renoncer à son domination de façon libre et gratuite? No. Non. So the book of Revelation has the story of this mega conflict between good and evil. Alors le livre de l'Apocalypse nous parle de cette histoire de cette guerre entre le bien et le mal. And tells us who the role players are throughout history. Et indique les acteurs principaux dans cette tragédie de cette guerre des siècles. So we need to study this book. Alors nous devons étudier ce livre. Didn't Jesus say in Matthew 24? Jésus ne nous a pas dit en Matthieu 24 that the very final problem on this planet will be deception? Que le problème final dans ce planète serait la séduction, l'égarement. Now, to be deceived means to believe that you are on the right track. Alors, être égaré, séduit, ça signifie qu'on pense d'être sur la voie correcte. Fact, you're on the wrong track. Mais en réalité, nous nous trouvons sur le faux chemin, sur la voie trompée. So no matter how awesome and how horrendous the book of Revelation may appear. Et ça n'importe pas si le livre de l'Apocalypse semble être horrible ou merveilleux. It is the roadmap
to keep us on the straight and narrow path. C'est la voie pour nous maintenir sur ce chemin resserré qui mène à la vie. Now we're going to talk about the book about the churches tonight. Alors nous allons parler ce soir sur les églises, les sept and églises. There are seven churches. Et il y a sept églises. The whole book of Revelation is divided into groups of seven. Et le numéro 7 vient mentionner beaucoup de fois dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de groupes de 7. Seven churches. Il y a 7 églises. 7 letters. 7 lettres. 7 stars. 7 étoiles. 7 candlesticks. 7 chandeliers. 7 blessings. 7 bénédictions. 7 spirits. 7 esprits. Lamp. Lampe. Seals. Sceau. Trumpet. Trompette. Horn. Cornes, eyes, yeux, thunder, tonnerre, heads, tête, crowns, couronne, angel, ange, vials, coupe and mountain. Et montagne. And there are more sevens than that. Just, that's just the main group. Et il y a plus de groupes de sept que ça. Ça, ce sont juste les principaux. Now, this is very confusing. Alors ça, ça peut donner de la confusion un petit peu. And then there's something else about the book of Revelation. Mais il y a un autre détail du livre de l'Apocalypse. It's written in sanctuary language. Il est écrit dans le langage du sanctuaire, du temple. Now what was the sanctuary? Qu'est-ce que c'était le sanctuaire? The sanctuary was the plan of salvation. Le sanctuaire était le plan du salut. In a physical representation. Représenté de façon physique. And the Jews had to worship through the sanctuary. Alors les Juifs devaient adorer à travers le sanctuaire. And they had to bring a lamb into the sanctuary. Et ils devaient porter un agneau au sanctuaire. They had to slaughter it at the altar of offering. Et ils devaient le tuer auprès de l'autel des sacrifices. And there was a first chamber. Et il y avait une première salle. And there was a second chamber. Et il y avait une deuxième salle. And the first one was a candlestick. Et dans la première, il y avait un chandelier. And an altar of incense. Et un autel des parfums ou autel de l'encens. An altar of showbread. Et une table des pains de proposition ou de l'offrande. And all of this points to the ministry of Jesus Christ. Et tous ces objets indiquent clairement le ministère de Jésus-Christ. He's the lamb that taketh away the sins of the world. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché He's du the monde. Candlestick. He's the light of the world. C'est lui le chandelier, la lumière du monde. He is the intercessor. He is the one who is the intercessor in heaven for us. C'est lui l'intercesseur, c'est lui qui intercède aux cieux pour nous. And he's the bread that came down from heaven. Et c'est le pain qui est descendu des cieux. And finally in the most holy you had the ark of the covenant with the law of God in it. Et finalement dans le lieu très saint, l'arche de l'alliance, quelque chose de très saint avec la loi de Dieu. And the rod of Aaron. Et le verge ou le bâton de Aaron. And the manna that never went rotten. Et le man qui ne pourrissait jamais. He is the bread that will never deteriorate. Et c'est Jésus qui est le pain qui ne va jamais se dégrader. He's the high priest. Il est le grand prêtre. And he's the ruler of the universe. Et il est le gouverneur de l'univers. And he has a law that's written in stone. Et il a une loi qui est écrite sur pierre. There's a message there. Il y a un message. So in Revelation 1 to 3, Así chapters que, 1 to 3, et alors en Apocalypse, chapitre 1 à 3, we're talking about the seven churches where Jesus is the light of the world. Nous parlons de cette église où Jésus est la lumière du monde. But he talks through people. Mais lui, il communique cette lumière parmi des personnes. This is amazing. He talks through sinful people like me. Et c'est quelque chose d'incroyable. Il parle, il communique ça parmi personnes faillibles comme moi. In Revelation 3 to 8, there are the seven seals. Apocalypse 3 à 8, nous trouvons les sept sceaux. And in sanctuary language, it's associated with the bread of his presence. Et dans le langage du sanctuaire, ils sont associés au pain de proposition ou de l'offrande. When we come to the trumpets in Revelation 8 to 11. Et quand on parle des trompettes, Apocalypse 8 à 11. The scenes take place at the golden altar. L'action se passe auprès de l'autel de l'incense ou des parfums. In Revelations 12 to 14, the issue is the law of God. Apocalypse 12 à 14, le thème, le sujet est la loi de Dieu. And finally, we have eschatology, things pertaining to the end in the last portions of the book of Revelation. Et finalement, nous avons la dernière partie du livre de l'Apocalypse qui nous parle des thèmes de la fin ou de l'eschatologie.
Et alors, comment est-ce que je peux comprendre le livre quand je commence à le lire? Well, here's a little structure for you that should make it a little bit more simple. Alors voilà une petite structure qui pourrait nous aider à lire ce livre. Breaking it up, we could say that the first parts of the book of Revelation are historic. Alors si on fait une division, nous pourrions dire que la première partie du livre de l'Apocalypse est une partie historique. And the second part is eschatological, pertaining to the future end. Et la deuxième partie est eschatologique, c'est-à-dire elle parle des choses de la fin. And they all meet in the middle with a great climax of this clash of the titans. Et ces deux parties se rencontrent au milieu et nous avons au milieu l'apogée, la bataille des géants. Now, is this book written only for us or for all the ages of Christianity? Alors, l'Apocalypse a été écrite seulement pour nous ou bien pour toutes les époques du christianisme? You know what's so beautiful about the Bible? Savez-vous ce qui est merveilleux de la Bible? That God doesn't leave out any generation. C'est que Dieu n'oublie aucune génération. And so the seven churches will have something for all the phases of history. Et donc, les sept églises auront quelque chose pour chaque phase de l'histoire chrétienne. As will the seals and the trumpets. Et de même pour les sceaux et les trompettes. Let's see if we can see these parallels. Voyons donc si on peut voir ces parallèles. Here in the seven churches, ici dans les sept églises, in chapter 2, verse 1, chapitre 2, verset 1, he says, "He that holdeth the seven stars walks in the midst of the seven golden." Nous lisons, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans la main droite et celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Now the candlesticks give light. Alors, les chandeliers donnent la lumière. So let's jump to the last book. We go to chapter 21. Et dernier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 21. Verse 23. Verset 23. The lamb is the light thereof. Dans la ville, l'agneau est son flambeau, sa lampe, la lampe de la ville. So he who walks amongst the candlesticks of lights, he is the light thereof. Alors celui qui marche parmi les chandeliers, c'est la lumière même, c'est lui. If you go to 2 verse 7, si on parle Apocalypse chapitre 2 verset 7, him that overcometh, I will give to eat of the tree of life. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. In 22 verse 2, Apocalypse 22, verse 2, you also have the tree of life. Nous trouvons aussi l'arbre de la vie. So when we talk about the structure, alors quand nous parlons de cette structure, we can pick it up. Lamp, nous pouvons voir ces parallélismes. Tree, lumière, arbre, and we go a little bit further. Nous avançons un petit peu plus. 3, verse 8, there's an open door. Chapitre 3, verset 8, il y a une porte ouverte. 21, 25, gates never close. Yeah, permanently open door. 21, 25, les portes ne se ferment jamais, elles sont toujours ouvertes. In 3:21, you have Christ on his father's throne. Chapitre 3, verset 21, vous avez Christ sur le trône du Père. And you have the same in 22, 1 to 3. Et nous trouvons le même, Apocalypse 22, 1 à 3. In New Jerusalem. La Nouvelle Jérusalem, 3:12. In 3:12, and you have the same in 21:10. Et le même à 21:10. In 3:11, I'm coming soon. In 22:7, I'm coming soon. Et 3:11, nous lisons, je viens bientôt. Et en 22:7, je viens bientôt. So you see, if you do a careful study and you pick them up, you can pick up the structure of the Book of Revelation. Et alors, si vous étudiez de façon détaillée ce livre, vous pouvez voir cette structure dans le livre de l'Apocalypse. Et nous pouvons aussi voir en quel moment nous nous trouvons dans l'histoire de l'humanité. You can do the same with the seven seals. Nous pouvons faire la même chose avec les sept sceaux. Where it deals with Christ and his afflicted people. Qui parle du Christ et de son peuple affligé, frappé. And then finally you have these people enthroned. Et ce même peuple, nous le trouvons à la fin du livre, assis sur le trône. So you'll pick it up again. Heaven opened, heaven opened. Et voilà la même structure, le ciel qui s'ouvre, 4:1, et le ciel qui s'ouvre, 19:11. Rider on a white horse. Le chevalier sur le cheval blanc, 6:2.
chevalier sur le cheval blanc, 1911. The souls of the martyrs ask for judgment. Les âmes des martyrs qui demandent le jugement. And here the souls of the martyrs are resurrected. Et voilà ici, chapitre 20, les âmes des martyrs qui you sont see, ressuscitées. The one is getting there and the other one is there. Alors d'un côté, ils marchent vers la solution et de l'autre côté, ils sont arrivés. So in Revelation 6, 15 and 16, the kings and the generals ask to be killed. Alors Apocalypse 6, 15 à 16, les rois et les généraux demandent d'être tués, de mourir. And here in the eschatological part, they are killed. Et dans la partie eschatologique, ils viennent tuer, ils meurent. Can you see that they are historically separate? Pouvez-vous donc voir qu'ils sont deux parties qui touchent deux époques différentes? Then the book of Revelation compares God's people and the devil's people. Et le livre de l'Apocalypse compare aussi le peuple de Dieu et le peuple du diable. So it's the Trinity of God, the Father, the Son and the Holy Spirit. Et donc il y a la Trinité de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Against the false trinity of the dragon, the beast, and the false prophet. Contre la fausse trinité du dragon et de la bête et du faux prophète. Now we have to be very careful on whose side are we here. Et alors il faut faire attention pour voir de quel côté nous nous trouvons. If you belong to the beast group or the dragon group. Si nous appartenons au groupe de la bête ou au groupe du dragon. Or the false prophet group. Ou au groupe du faux prophète. Well, then you are on the other side, you're an enemy of God. Alors nous sommes dans le mauvais côté, nous sommes des ennemis de Dieu. See, we read in the book of Revelation all power given unto the Son. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse que tout le pouvoir est donné au Fils. But in the book of Revelation there's a group that give their power unto the beast. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il y a un groupe qui donne leur pouvoir à la bête. Do we want to be deceived? Est-ce que voulons-nous être séduits, égarés? Me, I want to know who's the dragon. Moi, je veux bien savoir qui est le dragon. Who's the beast? Et qui est la bête? Who's the false prophet? Et qui est le faux prophète? Because if I'm in that group, I'm in trouble. Parce que si je me trouve dans un de ces groupes, j'ai des problèmes. We have the keys of death and Hades in the hand of Jesus on the one hand. Nous trouvons les clés de la mort et du séjour des morts dans les mains de Jésus. And the keys of the bottomless pit in the hands of the devil. Mais de l'autre côté, la bête qui monte de l'abîme et va à sa perdition. We have in the book of Revelation the question, who is like unto the Lord? Et nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse la question, à qui voulez-vous comparer Dieu? Isaïe 40, 18. And the counter question, who is like unto the beast? Et la question aussi, qui est semblable à la bête? A lamb that was slain. L'agneau qui a été immolé. And a beast that had a mortal wound and yet lived. Et de l'autre côté, une des têtes de la bête comme blessée à mort, mais qui guérit et vit. So we have a false death and a false resurrection. Et alors pour la bête, nous avons une fausse morte et une fausse résurrection. And Jesus, he is the one which is and which was and which is to come, remember? Et Jésus est celui qui est et qui était et qui vient, n'est-ce pas? And the beast who wants to be like Jesus. Et la bête qui veut être comme Jésus. Revelation 17:8 is the beast that was and is not and is about to come. Apocalypse 17:8, la bête que tu as vue était et elle n'est plus et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. That gives you a clue. Who is that beast? Et ça nous donne une indication. Qui est la bête? He's the Antichrist. C'est l'Antéchrist. Because Antichristo means to be like him, to want to be like him, in the place of. Car Antéchristo signifie vouloir être comme lui, se mettre à la place du Christ. So here's someone who pretends to be like Jesus. Alors ici, il y a un pouvoir qui prétend être comme Jésus ou bien Jésus même. Is the beast going to be a religious system? Sera donc la bête un système religieux? Or a secular system? Ou un système laïque non religieux. Well, if he wants to be like Jesus and pretends to be a savior, he must be a religious system. Bon, si la bête veut être comme Jésus, prétend être un sauveur, doit être un système religieux. So we need to find out who all these powers are. Alors nous devons découvrir qui sont ces pouvoirs.
We have the wrath of the lamb and we have the wrath of the devil. Nous avons la colère de l'agneau et la grande colère du diable. We have the seal of God versus the mark of the beast. Nous avons le sceau de Dieu et la marque de la bête. Do you want to know who the beast is? Est-ce que vous voulez savoir qui est la bête? I certainly want to know who the beast is. I could receive his mark. Moi, je voudrais bien savoir qui est la bête. Je pourrais recevoir sa marque. And then I could miss out on the seal of God. Et je n'aurais pas l'opportunité de recevoir le sceau de Dieu. In the book of Revelation, we have the name of God and we have the name of the beast. Dans le livre de l'Apocalypse, nous avons le nom de Dieu et le nom de la bête. We have the tribes of Israel and we have the tribes of the earth. Nous avons les tribus d'Israël et les tribus de la terre. The armies of heaven and the armies of the earth. Les armées du ciel et les armées de la terre. And the lamb wars against Satan and his people. Et l'agneau qui fait la guerre contre Satan et son peuple. And these other powers war against Christ and his followers. Et ses pouvoirs font la guerre contre l'agneau et ses fidèles. So the book of Revelation is a book of war. Et alors, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de guerre. And whose side are we on? Et en quel côté nous trouvons-nous-mêmes? There's a supper of the Lamb in Revelation 19:9. Apocalypse 19:9, il y a un festin, un dîner aux noces de l'agneau. And there's a supper of the birds. Mais nous trouvons aussi un festin de Dieu pour les oiseaux. I think these are vultures. Et je crois que c'est des vautours, des charognards. There's the lamb's bride. Et nous trouvons la femme, l'épouse de l'agneau. And there's the whore. Mais aussi la grande prostituée de Babylone. They are the apostles of the Lamb. Nous trouvons les apôtres du Seigneur. And there are false apostles. Mais aussi ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Jerusalem, God's church. Jérusalem, l'église de Dieu. Babylon, Satan's church. Et aussi Babylone, l'église de Satan. And Jesus is the ruler of heaven and earth. Et Jésus, qui est le gouverneur du ciel et de la terre. And the sea. Et de la mer. And the beast is out of the sea and out of the earth. Et la bête qui sort de la mer ou bien de la terre. So we have all of these nice comparisons in the book of Revelation. Et alors nous trouvons toutes ces belles comparaisons dans le livre de l'Apocalypse. That's not too difficult to understand. Et ça ne devrait pas être tant difficile de se comprendre. So all we need to figure out is what do these symbols stand for and what is God trying to tell us? Et alors tout ce que nous devons comprendre est de qu'est-ce que signifient ces symboles et qu'est-ce que veut Dieu nous dire? And where must we find the answers? Et où devons-nous trouver les réponses? Who's going to give us the answers? Qui va nous donner les réponses? The Bible must give us the answers. La Bible doit nous donner les réponses. I cannot define the beast with some present modern consideration. Je ne peux pas définir la bête avec des considérations modernes. The Bible must define for me who the beast is. La Bible doit définir qui est la bête. Or who the dragon is. Ou qui est le dragon. Or who the false prophet is. Ou qui est le faux prophète. Revelation tells us that this false prophet will create signs and wonders and miracles and people will be overwhelmed. L'Apocalypse nous dit que ce faux prophète va faire des signes, des merveilles, des miracles et les gens seront bouleversés, confondus. So again, it is a religious system. Et alors, encore une fois, c'est un système religieux. I would be very careful of religious systems on this planet. Et alors, je vous invite à faire attention au système religieux du planète. And check them out very carefully. Are they lamb systems or are they dragon systems? Il faut bien les analyser. Est-ce qu'ils sont des systèmes de l'agneau ou bien des systèmes du dragon? So now let's go into the seven churches. Alors, nous allons parler de cette église. And let's bear this symbolism in mind. Et rappelons-nous des symboles que nous avons vus. Now, where do the seven churches appear in this book of Revelation? Alors, où est-ce que nous trouvons les sept églises dans le livre de l'Apocalypse? They appear right there in the beginning. Juste au commencement du livre. Question. Question. Are we in the historic arm or are we in the eschatological arm? Sommes-nous donc dans la partie historique du livre ou bien dans la partie eschatologique? We're in the historic arm. Nous nous trouvons dans la partie historique. So that helps us already. Now we can see. All right, we're going to talk history tonight. OK, ça nous aide. Alors nous parlerons de l'histoire ce soir. So I need to know the structure in order to put myself in the right place. Je dois connaître la structure pour me pouvoir placer dans l'endroit correct. Saying I'm the Alpha and the Omega. Apocalypse 1:11, introduction Martin. The first and the last. Je suis l'Alpha et l'Oméga. And what thou seest, write in a book.
le premier et le dernier, écris dans un livre ce que tu vois. Send it unto the seven churches, yeah. Envoie-le aux sept églises which are in Asia. Qui sont en Asie. Now, what boggles the mind, alors ça, c'est incroyable. Is how God put these into this sequence. C'est comme Dieu a mis ces noms dans un ordre, une ordre spécifique. Physically. Physique. Because that's how the old postal route used to work. Car c'est comme ça que l'ancienne route postale marchait. In that sequence. Dans cette même séquence. And each one of the names has a specific meaning. Et chaque nom a une signifiée spécifique. Now, the names are Ephesus. Alors les noms sont Éphèse, Smyrna, Smyrne, Pergamos, Pergame, Thyatira, Thyatir, Sardes, Sardes, Philadelphia, Philadelphie, and Laodicea. Et Laodicée. What does that mean? Et qu'est-ce que ça signifie? C'est des noms? These are places. Ce sont des endroits. But they have a historic setting. Et ils ont une histoire aussi. Were they only written for that time or for our time as well? Est-ce que ces endroits sont mentionnés juste pour le premier siècle ou bien pour nos temps aussi? Is God only interested in one generation or in all generations? Est-ce que Dieu est intéressé dans une génération seule ou bien en toutes les générations? All generations. Toutes les générations. And we are fortunate living here at the end that we can see the whole picture. Et nous avons de la chance, nous qui vivons à la fin des temps, de voir tout l'ensemble historique. And I turned to see the voice that spoke with me. Verset 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. And being turned, I saw seven golden candlesticks. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. That's the very next verse. Et voilà, c'est le verset 12. Help me. Aidez-moi. Where's Jesus standing here? Où est-ce que Jésus se trouve dans cette description? He's standing in the sanctuary. And where's he standing in the sanctuary? Dans le sanctuaire et où dans le sanctuaire? He's standing in the holy place. Dans le lieu saint. Right? N'est-ce pas? So we're not yet in the most holy. Alors nous ne sommes pas encore dans le lieu très saint. That comes much later. Ça arrive beaucoup plus tard. So historically, we're in the first part of the Christian era. Alors à niveau historique, nous nous trouvons dans la première partie de la période chrétienne. So verse 13 says, in the midst of the seven candlesticks, one like unto the Son of Man. Et comme nous lisons verset 13, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. So this story comes from whom? Et alors cette narration est centrée en qui? Jesus. En Jésus. He's always the center of every single story in the Bible. Il est toujours le centre de chaque histoire dans la Bible. There's a fancy word for that. Il y a un mot technique pour ça. Every story in the Bible. Chaque histoire dans la Bible. Has an aspect which the theologians call soteriology. A un aspect que les théologues appellent sotériologie. The story of salvation. C'est l'histoire du salut. All right, so Jesus is amongst the candlesticks. Alors Jésus se trouve parmi les chandeliers. So he's the high priest that ascended into heaven. Alors lui, c'est le grand prêtre qui est monté aux cieux. He's the light of the world. Il est la lumière du monde. And he disseminates or spreads that light through whom? Et il partage, il reflète la lumière à travers de qui? Through you. À travers vous. And through me. Et à travers moi. We're supposed to be the reflection of that light to the world. Nous sommes censés de refléter cette lumière au monde. And so he is addressing this to the pastors of those churches. Et alors il écrit ces lettres aux pasteurs de ces églises. And here is this part in Asia Minor, and this is how they were situated right along this postal route. Et voilà le parcours en Asie Mineure, et comme il était et comme les villes étaient sur ce parcours. Ephesus, Éphèse, Smyrna, Smyrne, Pergamum, Pergame, Thyatira, Thyatir, Sardes, Sardes, Philadelphia, Philadelphie, Laodicea. Et Laodicée. God is even in charge of geography. Alors Dieu contrôle aussi la géographie. Now, listen to this one.
Alors écoutez bien le prochain texte. Write the things which thou hast seen. Verset 19, écris donc les choses que tu as vues. And the things which are. Et celles qui sont. And the things which shall be hereafter. Et celles qui doivent arriver après elles. Okay. How do I read the book of Revelation? Très bien. Comment est-ce que je dois lire le livre de l'Apocalypse? And how do I interpret these seven churches? Et comment dois-je interpréter les sept églises? Because the one standing amongst the candlesticks. Car celui qui marche parmi les chandeliers. Says the seven stars are the angels of the seven churches. Verset 20, les sept étoiles sont les anges des sept églises, il nous dit. And the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Okay. Muy bien. Has seen. Ici nous voyons ce que tu as vu. Are. Celles qui sont, les choses qui sont. And will come hereafter. Et celles qui doivent arriver après elles. So the seven churches must have the story. Alors les sept églises doivent pouvoir nous décrire l'histoire. Of what was. De ce qui était. What is, de ce qui est and is to come. Et ce qui doit encore se passer. So it is a sweep through history. Alors c'est une panoramique à travers de l'histoire du christianisme. And it has an application for every single generation. Et il y a une application pour chaque génération. Right, let's go to those churches. Ok, parlons donc de ces églises. This is a picture of Istanbul. Et voilà une photo de Istanbul. With the bridge across the Bosphorus there. En Turquie, avec le pont sur le Bosphore. I think that's me when I was still young and ugly. Et me voilà quand j'étais encore jeune et moche. And I want to take you there. Et je veux vous amener à cette ville. But while I was there, I went on top of a hill. Et quand j'étais là, j'ai monté sur une colline. And during the Ottoman Empire, they built these great fortresses, you know, to take care of the military aspect. Et pendant l'époque de l'Empire ottoman, ils construisirent ces forteresses pour des buts militaires. Because this was, of course, the eastern capital of Rome. Parce que c'était la capitale de l'est de l'Empire romain. And while I was on this hill, there was a marriage ceremony. Et quand je me trouvais sur cette colline, il y avait une cérémonie de mariage. But it was, you know, like those Middle Eastern ones. Mais c'était comme une cérémonie du Moyen-Orient. So the bride was dressed in pink. Et l'épouse était vêtue en rose. And the bridegroom was showing her off and he was dressed in white. Et l'époux, il a montré, il étalait son épouse et il était vêtu en blanc. So this is like a pre-marriage. This is not the marriage. Et bon, cette cérémonie était comme une cérémonie de avant mariage. Ce n'était pas le mariage encore. And he would come later, and then they would be married, and she would be dressed in white. Et après, dans la cérémonie du mariage, elle serait vêtue de blanc. And you know, it reminded me of the story of the marriage of the lamb. Et je me suis rappelé de l'histoire du mariage de l'agneau. And we are betrothed to him. Voyez-vous, nous sommes fiancés à l'agneau. He is the one who is in white. Et c'est lui qui est dressé en blanc. And one day he will come and he will take his bride. Et un jour il va retourner et il va amener son épouse avec soi-même. And I think he likes to show off his bride like this man did. Et je crois qu'il veut montrer, il veut étaler son épouse comme ce jeune homme. And he comes and he brings in this fancy little coach. Et il arrive et il l'amène dans cette petite carrosse. And this book of Revelation is about the marriage of the Lamb. Et le livre de l'Apocalypse parle du mariage de l'agneau. In the same capital, there you have the blue mosque. Et dans la même ville, vous avez la mosquée bleue. Where you have a whole religious system without the Lamb. Où il y a un système religieux sans l'agneau. And these people are so dedicated. Mais c'est des personnes très dédiées. And they are prepared to die for their religion. Et ils sont prêts à mourir pour leur religion. And they are so serious about trying to do what is right. Et ils sont très sérieux de tâcher de faire ce qui est correct. And the whole world is filled with religions like that. Et dans tout le monde, il y a beaucoup de religions comme ça. And this is Saint Sophia. Et voilà Sainte Sophie.
Did you know that that used to be a Christian church? Et savez-vous que c'était avant une église chrétienne? And today there are minarets outside, and it's a Muslim mosque. Mais aujourd'hui, il y a des minarets. C'est une mosquée musulmane. And I walked in that place. Et je suis rentré. And when you look across the top, et quand vous regardez en haut, there are paintings. Il y avait des fresques, des images. Christian painting. Des images chrétiennes. And when the Muslims took over Christianity, et quand les musulmans ont conquis le christianisme, and expelled the Christians, et ils ont expulsé les chrétiens, they took whitewash paint and they painted them closed. Ils ont pris de la peinture blanche et ils ont couvert les fresques. So Christianity disappeared and another religion took place. Et alors le christianisme a disparu et une autre religion a pris sa place. And you know, I looked and here and there that whitewash is fading. Et alors j'ai regardé et j'ai vu que de quelques côtés on pouvait voir ces images. And those old ancient Christian paintings are coming through. Et la peinture s'effaçait et alors ces anciennes images commençaient à se voir. And I thought to myself, you know, that's so symbolic. Et alors j'ai pensé, ah, c'est très symbolique ça. Here in the same building, you're getting this mingling. Dans cette construction, dans cet endroit, nous recevons ce mélange. And the world today is mingling religion. Et le monde aujourd'hui mélange les religions. And the Muslim world doesn't mind Jesus. It venerates. Et le monde musulman n'a pas un problème avec Jésus. Il est digne de vénération. But it denies that he is the Son of God. Mais il nie son identité comme fils de Dieu. And it denies that he is God. Et il nie qu'il est Dieu. But the book of Revelation says he is the Almighty. Mais le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il est le Tout-Puissant. And in the same area, you also have this statue of this horse. Et dans la même ville, vous trouvez cette statue de ce cheval. Do you know that's the story of Troy? You remember the story of Troy? Et vous vous rappelez de l'histoire de Troie? How these people hid in there? Comme ces gens se cachaient dans le cheval? And the Trojans took this horse inside. Et les gens de la ville ont amené le cheval dans la ville. And before they knew it, that night the people came out and Troy was captured and destroyed. Et la nuit même, les soldats cachés dans le cheval sortirent et détruirent la ville. You know what? I'm afraid. Et j'ai le pressentiment that Christianity has its Trojan horse. Que le christianisme a aussi son cheval de Troie. And under disguise, enemies have entered Christianity. Et des ennemis camouflés, déguisés, ont infiltré le christianisme. And taken it captive. Et ils l'ont fait prisonnier. And today you cannot distinguish true Christianity from any of those false systems out there. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas distinguer le vrai christianisme de tous ces systèmes faux qui existent. Now the amazing thing is that these seven churches, that the meaning of the name and the character is built into the word of that name of that city. Alors, la chose intéressante, c'est que dans cette église, le signifié du nom et du caractère est inclus dans le mot du nom de la ville. And in each one of those letters, there's a commendation. Et dans chacune de ces lettres, il y a une éloge. Except in two. Sauf deux. There's a reproof in all of them. Il y a une reproche aussi dans toutes. Except in one. Sauf deux. There's counsel. Il y a un conseil. And there's a promise. Et il y a une promesse. And remember, these are the ones that are in the Lamb's hand. This is His church. Et rappelez-vous que c'est les mêmes églises qui se trouvent dans la main de l'agneau. C'est son église. So let's go to Ephesus. Alors commençons par Éphèse. It comes first. C'est la première. So it must represent the first part of the Christian era. Elle doit donc représenter la première partie de l'ère de l'âge chrétien. Now, what do we find in Ephesus? Alors qu'est-ce que nous trouvons en Éphèse? It was a cosmopolitan harbor city. Alors c'était une ville cosmopolite avec un port. And here is one of the ancient pathways of that city. Et voilà une des anciennes rues de la ville.
I would say it goes to about AD 100. Et je voudrais dire que la période dure jusqu'à l'année 100 après Jésus-Christ. Although the word AD is not very acceptable today anymore. Même si en anglais, après Jésus-Christ, c'est une phrase qu'on n'accepte pas souvent. Because the name of Christ is not very welcome. Parce que nous ne voulons pas, les gens ne veulent pas mentionner le nom de Christ. So today they would say after common era. Et alors en anglais, de plus en plus, on utilise la sigle EC, l'ère commune, c'est-à-dire. Now in Ephesus, they had the seat of Diana. Alors en Éphèse, ils avaient le siège central de la déesse Diane. And she was known as the mother of the gods. Et elle était connue comme la mère des dieux. And the temple of Diana was built in 480 BC. Et alors le temple de Diane fut construit dans l'année 480 avant Christ. And you read there in the books, you will find that Paul had this problem all the time with Diana. Et si vous lisez dans la Bible, vous trouverez que Paul, il avait un problème tout le temps avec la déesse Diane. It's interesting that the early Christian church. Et c'est intéressant de savoir que l'église chrétienne at the Council of Ephesus, au concile de Éphèse, which was held in 451 AD, qui eut lieu pendant l'année 451 après Jésus-Christ, gave the title Mother of God to Mary. A donné le titre Mère de Dieu à Marie. Isn't that interesting? Est-ce n'est pas intéressant? C'est fascinant. Under the angel of the church of Ephesus, write. Apocalypse 2:1. Écrit à l'ange de l'église de Éphèse. These things says he that holdeth the seven stars in his right hand. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Walks amongst the seven golden sand candlesticks. Qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. I know your works. Je connais tes œuvres. Labor. Ton travail. Patience. Et ta persévérance. And how you canst bear them which are evil. Et je sais que tu ne peux supporter les méchants. And thou hast tried them which say that they are apostles. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. And are not, et qui ne le sont pas, and has found them liars, et que tu les as trouvés menteurs, and has borne and has patience, et que tu as de la persévérance, and for my name's sake have labored, et que tu as souffert à cause de mon nom, and has not fainted, et que tu ne t'es point lassé. He's quite proud of them. Alors il est orgueilleux d'eux. So he commends them. Et alors il leur donne un éloge. And et please note that they tested to see whether they were true or false apostles. Et notez qu'ils éprouvaient pour voir s'il y avait des faux ou vrais prophètes. So they must have been students of the word. Alors ils étudiaient la Bible. And they tested it according to the scriptures. Car ils devaient éprouver selon les écritures. And they knew their Bibles. Et ils connaissaient leur Bible. Because they could tell the false from the truth. Car ils pouvaient distinguer le faux et le vrai. So this is the early church. Et voilà l'église primitive apostolique. Now here's a problem. Nevertheless, mais il y a un problème, Apocalypse 2:4. I have somewhat against you. Mais ce que j'ai contre toi, you have left your first love. C'est que tu as abandonné ton premier amour. These people were on fire for God. Alors ces chrétiens, ils étaient totalement dédiés à Jésus-Christ. And they knew their scriptures, et ils connaissaient leur écriture, but they became complacent. Mais ils ont perdu leur vigilance. So the Lord says to them, remember from where you are fallen and repent. Et alors le Seigneur leur dit, verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Do the first works, et pratique tes premières œuvres. Or else I will remove your candlestick. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. And now notice carefully. Et alors, notez bien ce que le texte nous dit. But this thou has, verset 6, tu as pourtant ceci, that you hate the deeds of the Nicolaitans, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, which I also hate. Œuvres que je haïs aussi. Nicolaitans? Nicolaïtes? What are the Nicolaitans? Et qui sont les Nicolaïtes? The Nicolaitans were a sect that disregarded the law of God. Les Nicolaïtes étaient une secte qui ignorait la loi de Dieu. Do we have churches today that disregard the law of God, yes or no? Est-ce que nous avons aujourd'hui des églises qui ignorent la loi de Dieu? Oui ou non?
Do we have churches today that say that the law has been done away with? Est-ce que nous avons des églises aujourd'hui qui disent que la loi a été abolie? Oui ou non? Well, it's also very interesting if you go into this word Nicolaitans. C'est très intéressant aussi si nous analysons ce mot Nicolaïte. There are many, many connotations. Il y a beaucoup de signifiés. One of the nicknames of the devil is Old Nick. Un des sobriquets, un des surnoms du diable est Vieux Nick. Yes, Nicolas. Oui, Nick, Nicolas, tu as très bien dit. Yeah, so if you follow Old Nick, you're in trouble. Et alors, si vous suivez le Vieux Nick, vous avez des problèmes. So there's a work to do, you have to overcome. Alors, il y a un travail à faire, il faut vaincre. And then you will get access to the tree of life. Et on aura accès à l'arbre de la vie. So the first church is Bible based. Et donc la première église est basée sur la Bible. Can distinguish right from wrong. Peut distinguer entre la vérité et le mensonge. On the hand of the scriptures, by the scriptures they determine who is a false and who is a true apostle. Et à travers les écritures, ils peuvent voir qui est un faux et un vrai prophète. This is the street of Curette in Ephesus. Et voilà la voie des Curette à Éphèse. And here were all these statues. Et ici, il y avait toutes ces statues. And if you were rich, you could have a statue of yourself made. Et si quelqu'un était riche, il pouvait se faire construire une statue. Then you pay rent. Et louer la place. And you can stand there. Et une personne pouvait avoir une image là, and sur cette people think you're great. Et les gens pensaient que vous étiez fameux. Here is the temple of Emperor Trojan. Et voilà le temple de l'empereur Trojan. Because these emperors were all worshipped as gods. Ces empereurs étaient adorés comme dieux. Here is a reconstruction of the town hall and the library. Et voilà une reconstruction de l'hôtel de ville, la mairie et la bibliothèque. Here's another temple of Domitian. Et voilà un autre temple de l'empereur Domitien. Another side of it. Une autre photo du temple. There were fountains and baths and important people. Et il y avait fontaines, bains publics et personnes importantes. And amidst all this error, et dans toute cette erreur, there was a Bible-based church. Il y avait une église qui se basait sur la Bible. These are actual pipes that they dug out there. Voilà des conduites pour la canalisation qu'ils ont trouvées. Notice that they're insulated, so they had warm water. Et vous pouvez voir qu'elles étaient isolées, ils avaient donc de l'eau chaude. And these were the public toilets. Et voilà les toilettes publiques. And you did your business and underneath there was a river and off it went. Et les gens faisaient ce qu'ils devaient faire et en bas il y avait une rivière. Automatic flush. Et il y a une chasse d'eau automatique. Here is Scholastica, baths. Voilà les termes de Scholastica, ils étaient très riches. And of course, they worshipped also the goddess Artemis. Et ils adoraient aussi la déesse Artemis. Notice all the breasts she had. Et voyez tous les seins. She was the mother of all on this earth, and she fed them all. Elle était la mère de tous sur cette terre et elle les nourrissait tous. And here was this amphitheater where Paul confronted those who worship this goddess. Et voilà l'amphithéâtre où Paul a fait face à ceux qui adoraient cette déesse. So remember, there's always a confrontation between goddess worship and true Christianity. Et donc il y a toujours une confrontation entre un affront entre l'adoration à la déesse et le vrai christianisme. And you know, you can imagine Paul actually walking along this route. Nous pouvons nous imaginer à Paul qui marche sur cette route. In the last confrontation, they kept him away there because they would have stoned him. Dans le dernier affront, Paul n'eut pas le permis de se présenter car il l'aurait lapidé. And this was the quay where the ships were actually anchored. Et voilà le port où les bateaux étaient jetaient l'ancre. And today there's no ocean there. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la mer. Why? Because 800 AD Ephesus ceased to be a harbor town. Car en 800 après Jésus-Christ, Éphèse arrête d'être une ville de port. The little river had brought down so much silt that it became an inland city. Car la rivière avait accumulé tant de débris que la ville cessa d'être une ville avec un port. And this is a very interesting building. Et voilà une construction très intéressante. If you go to Ephesus, si vous visitez Éphèse,
which was the seat of the goddess Diana, qui était le siège de la déesse Diane, who was the mother of God, qui était la mère de Dieu, des dieux. There they will tell you that this is where Mary, the mother of God, lived. Ils vous diront que ici c'était la place où Marie, la mère de Dieu, vivait. But of course, everybody knows that that is a falsification. Tout le monde sait que c'est une falsification. C'est pas vrai. All right, let's go to the next age. Smyrna. Bueno, alors nous avançons à la prochaine période de l'histoire, Smyrne. And in the middle you have this word myrrh. Et au milieu du mot, vous avez le mot myrrh. Which is a sweet smelling substance. Qui signifie une substance avec un parfum doux. And you also dulce. Had a shrine there to the goddess Nemesis. Et il y avait aussi un temple à la déesse Nemesis. And it was a time of martyrdom. Et c'était un temps de martyr. So the sweet aroma of the martyrs ascended unto God. Et alors le doux parfum des martyrs monta vers Dieu. So it was a time of persecution. Et c'était un temps de persécution. And the Bible says there will be persecution 10 days. Et la Bible nous dit qu'il y aurait eu persécution durant une période de 10 ans. But in Bible prophecy, a day represents a year. De 10 jours, c'est-à-dire, mais dans la prophétie biblique, un jour représente une année. The book of Ezekiel tells us that. Le livre de Ézéchiel nous dit ça. And there was a persecution there from AD 303 to 313. 10 years. Il y a eu une persécution de l'année 303 après Jésus-Christ jusqu'à l'année 313 après Jésus-Christ. And the pastor of that church was Polycarp and he was martyred. Et le pasteur de cette église c'était Polycarpe et il mourut comme martyr dans cet endroit. Now this letter is fascinating. Alors cette lettre est fascinante. So again, it's the letter from the Lord, from the first and the last, which was dead and is alive. Et encore une fois, c'est un message du Seigneur, Apocalypse 2, 8, du premier et du dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. And he says, I know thy works. Et il dit, je connais tes œuvres. Tribulation and poverty. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. He says, but you are rich. Mais il dit bien que tu sois riche. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and they are not. Et je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. But of the synagogue of Satan. Mais qui sont une synagogue de Satan. Now remember the early Christians were still called Jews. Alors rappelez-vous que les chrétiens primitifs étaient encore appelés juifs. Only later were they called Christians. C'est seulement après qu'on commence à les appeler chrétiens. In fact, at Antioch, they were called Christians for the first time. C'est à Antioche qu'on les nomme chrétiens pour la première fois. So here is this little suffering group of people. Et voilà ce petit groupe de personnes qui souffrent. In the midst of all of the synagogue of Satan. Au milieu de la synagogue de Satan. And it says, fear none of the things which thou shalt suffer. Et il nous dit verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. The devil shall cast some of you into prison. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. And you will be tried and you will have tribulation 10 days, a day for a year, 10 years. Et vous serez éprouvé et vous aurez une tribulation de 10 jours, un jour pour un an, 10 années, c'est-à-dire. Be faithful unto death. Sois fidèle jusqu'à la mort. I will give you the crown of life. Et je te donnerai la couronne de la vie. He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir à la seconde morte. So everything that was taken away in the book of Genesis is here restored. Alors tout ce qui avait été perdu dans le livre de la Genèse vient restaurer ici. So he says they are a faithful church. Le texte nous dit ils sont une église fidèle. Nowhere in this book does he tell them that they're doing anything wrong. Et nous ne trouvons pas de reproche dans ce message. They only have a commendation. Ils reçoivent seulement un éloge. Now, let's go a little bit to history. Here's the city of Palms, Palmyra. Alors, voyons un petit peu l'histoire. Voilà la ville des palmiers, Palmyra. In fact, this is the longest row of columns in the world. Voilà la file plus longue de colonnes au monde. It's a beautiful place to visit. C'est un endroit merveilleux à visiter. Beautiful arches. Des arches merveilleuses. Ancient temples. Des anciens temples.
And here it says Diocletian camp. Et ici nous lisons de champ de Dioclétien. There was the emperor Diocletian. Alors celui c'était l'empereur Dioclétien. And he was the one who ordered that the Christians be persecuted and destroyed. Et c'est lui qui donna l'ordre de tuer et persécuter les chrétiens. How long did his persecution last? Combien de temps a duré cette persécution? 10 years. 10 ans. Exactly. Exactement. So this is the period just after 100 AD during this time of persecution. Et voilà cette période après le 1er siècle après Jésus-Christ, c'est un temps de persécution. And that's history. That's the emperor that persecuted. Et voilà l'histoire, c'était cet empereur qui les a persécutés. And here today is the modern city of Smyrna, which is called Izmir. Et voilà aujourd'hui la ville moderne de Smyrne qui s'appelle Izmir. And here are the ruins of old Smyrna. Et voilà les ruines de la vieille, de l'ancienne Smyrne. Hardly anything left, just a couple of pillars. Il n'y a presque rien qui reste, juste des colonnes. And young people. Et des jeunes. Young people laughing and happy. Et des jeunes qui rient et sont contents. And in those days, persecution. Et dans ces jours, il y avait de la persécution. So this is the time in the early Christianity when the Roman Empire persecuted the Christians and martyred them and tortured them and murdered them. Et voilà la période dans l'histoire chrétienne où les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain et ils étaient torturés et assassinés. Here is the old Colosseum. Et voilà le vieux Colossée. Where they let the lions out and they made sport of the Christians. Où ils faisaient partir les lions et ils se moquaient des chrétiens. Where they lit them like torches, covered them in pitch and burnt them. Où ils les allumaient comme des torches et ils les couvraient de braise et ils les brûlaient. And they are commended of God. Et ils viennent élogés de la part de Dieu. Now we go on in history. Mais l'histoire avance. And we come to the next church period. Et nous arrivons à la prochaine période de l'Église. Now it gets very interesting. Alors ça, c'est très intéressant. Pergamos is the next church. Pergame, c'est la prochaine Église. And Pergamos means elevation, to lift yourself up. Et Pergame veut dire élévation, s'élever à soi-même. Now it was the capital of the Roman province of Asia. C'était la capitale de la province romaine de l'Asie. It had a temple of Zeus. Et la ville avait un temple à Zeus, Jupiter. It had one of Asclepius, the serpent god. La ville avait aussi un temple à Asclepius, le dieu serpent. And it had a proconsul with a double-edged sword. Elle avait un proconsul avec l'épée aiguë à deux tranchants. And you know what? Et savez-vous? The ancient Babylonian priesthood. L'ancienne classe sacerdotale de Babylone. Had to flee when the Medo-Persians took over. A dû partir quand les Médo-Perses ont conquis Babylone. So those priests from Babylon fled and they created this city, Pergamos. Et alors les sacerdotes babyloniennes se sont enfuis et ils ont créé cette ville Pergame. And they took with them their white stone. Et ils ont emmené avec eux leur pierre blanche. Which was known as the Palladium Stone. Palladium Stone. Qui était connue comme la pierre de Palladium. And the head of this priesthood had the title Pontifex Maximus. Et le grand prêtre de ce sacerdoce avait le titre de Pontifex Maximus. Supreme Pontiff. Le pontife suprême. Very interesting. And he had keys. Et très intéressant. Et il avait des clés. And he had a mitre. Et il avait une mitre. And he was the head of the priesthood of Babylon. Et il était donc à la tête du sacerdoce babylonien. Now, when the Greeks took over from the Medo-Persians, alors quand les Grecs ont conquis les Médo-Perses, they left them alone. Ils n'ont rien fait aux sacerdotes babyloniens. Later, the Romans took over. Et après ça, les Romains ont conquis le même territoire. And they were perhaps a little bit nervous, these priests. Et alors les sacerdotes étaient un petit peu nerveux. And Attalus the Third, et Attal le troisième, who was the last pontiff king, qui était le dernier roi pontifice, gave his title to Rome. A donné son titre à Rome.
So the Roman emperor alors l'empereur romain became Pontifex Maximus. A acquis le titre de Pontifex Maximus. So if you go to Rome, alors si vous allez à Rome and you look at a statue of a Roman emperor, et vous regardez les statues des empereurs romains, his name will be there and the letters PM will be behind his name. Vous verrez que son nom est écrit et après son nom les lettres PM. I want to ask a question. Et je veux vous poser une question. Who has that title today? Qui possède ce titre aujourd'hui? The Roman Pontiff has that title today. Le pontifice romain a ce titre aujourd'hui. Where did that title come from? Et d'où est-ce qu'il a reçu le titre? It came all the way from the high priest of Babylon. Il lui est arrivé directement du grand prêtre de Babylone. Oh, this is very interesting. C'est quelque chose de très intéressant. Now in AD 378, et savez-vous, dans l'année 378 après Jésus-Christ, l'empereur chrétien Gratien a refusé le titre. And from that day on, Damascus, the bishop of Rome, took the title. Et à dater de ce jour, Damas, l'évêque de Rome, a pris ce titre. And he has that title to this very day. Et jusqu'à présent, il est resté avec le titre. Now, this in Pergamos was the great temple of Zeus. Et voilà, en Pergame, le grand temple de Zeus, de Zeus. And this temple of Zeus. Et ce temple de Zeus, de Jupiter. Was the temple to the chief god of the ancient pantheon of gods. C'était le temple du dieu principal dans l'ancien panthéon des dieux. So who would it represent? Et qui représentait-il donc? Satan. À Satan. 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 So the Bible says where Satan has his seat, there was this Christian church. Alors la Bible nous dit que où Satan avait son siège, voilà, là il y avait une église chrétienne. This is a very interesting history. Et c'est une histoire très intéressante. Also around it is the battle of the gods. Et autour du temple, il y avait illustré la bataille des dieux. Which is the pagan version of the battle between good and evil. Une version païenne de la bataille entre le bien et le mal. Now with that background, let's read this. Et alors avec ce contexte historique de cette église, on va lire le texte maintenant. To the angel of the church in Pergamos. Verse 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Now you know where it is. Alors vous savez où se trouve cette ville maintenant. This is where Satan has its seat. Et c'est où Satan a son siège aussi. Write these things, says he which has the sharp sword with the two edges. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. And here was a high priest who had a two-edged sword in Pergamos. Et voilà un grand prêtre qui avait l'épée à deux tranchants à Pergame. So we have an antichrist. Et alors nous avons un antichrist. And we have a true Christ. Et nous avons un vrai Christ aussi. I know thy works and where thou dwellest. Je sais où tu demeures et tu vis. Even where Satan's seat is. Et je sais que là est le trône de Satan. That's where the high priest of Babylon was. Et c'était où le grand prêtre de Babylone vivait. And he called himself Pontifex Maximus. Et il s'appelait à soi-même le Pontifex Maximus. He was the bridge builder between heaven and earth. C'était le constructeur de pont entre les cieux et la terre. Is there someone else who says that he's the bridge between heaven and earth today? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aujourd'hui qui dit qu'il est le pont entre le ciel et la terre aujourd'hui? Thou holdest fast my name. Dit le texte, tu retiens mon nom. You have not denied my faith. Et tu n'as pas renié ma foi. Commendation. C'est un éloge. Even in the days wherein Antipas was my faithful martyr. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. The Bible doesn't say who Antipas is. Alors, la Bible ne nous dit pas qui était Antipas. It could be a person. Ça pourrait être une personne. Polycarp was the first pastor then. He was, well, he was martyred. Polycarp, par exemple, c'était le premier pasteur à Smyrne qui mourut comme martyr. Could be a reference to him. Ça pourrait être une référence à lui. But what does the word Antipas mean? Mais qu'est-ce que ça signifie le mot Antipas? It also means anti-pontifex maximus. Ça pourrait aussi signifier anti-pontifex maximus. And he was a faithful martyr.
Et lui, il était un témoin fidèle, un martyr fidèle. And he was slain there where Satan dwelleth. Et il mourut où Satan a son siège, où il habite. So here's the commendation, and now comes a reproof. Et voilà l'éloge, et maintenant arrive le reproche. But I have a few things against thee. Mais j'ai quelque chose contre toi. Because thou hast there them that hold to the doctrine of Balaam. C'est que tu as là des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. To eat things sacrificed unto idols. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. And to commit fornication. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Oops. Oops. Now we have a problem. Alors nous avons un problème. Here is a church. Voilà une église. That knows the truth. Qui connaît la vérité. But allows certain individuals or ideologies into its midst. Mais permettent que certains individus ou certaines idéologies rentrent chez eux. Now Balaam. Alors Balaam. Taught Balak. Avait enseigné à Balak. To cast a stumbling block. À comment causer la chute de Israël. Remember that he tried to curse the children of Israel? Vous rappelez-vous que Balaam avait tâché de maudire le peuple d'Israël? And when he couldn't do it, mais il n'avait pas pu le faire. What did he do? Et qu'est-ce qu'il a fait? He brought the Babylonian girls. Il a amené les belles filles, les amours babyloniennes. Short little mini dresses. Alors les mini jupes. Tight little top. Et les os tout serrés. Very low neckline. Les décolletés plongeants. And they came into the camp of Israel. Et elles sont arrivées dans le champ d'Israël. Problem. Et il y a eu un problème. And so there was some fornication there. Et alors il y a eu de la prostitution. Now what about spiritual fornication? Et qu'est-ce qu'il y a de la prostitution spirituelle? What when you allow Balaam to come into the church? Qu'est-ce qui se passe quand on permet que Balaam rentre dans les églises? And you start to have spiritual fornication. Et on commence un procès de fornication, prostitution spirituelle. Thou hast also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Et de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, que je déteste. The first church, Ephesus. La première église, Éphèse. Did he mention the Nicolaitans? Est-ce qu'il a mentionné les Nicolaïtes, oui ou non? And what did the Ephesians do with that group? Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Éphésiens avec ce groupe? Rejected them. Ils les ont rejetés. What do these do with the Nicolaitan doctrine? Qu'est-ce que fait cette église avec le groupe des Nicolaïtes, de ces doctrines? They accommodate them. Ils les accueillent. So what we have here is we have spiritual declension, we have a blasphemy coming into the church. Parce que nous avons ici, c'est une descente spirituelle, nous avons la blasphème qui rentre dans l'église. So the Bible says, repent. Et alors la Bible nous dit, repens-toi donc. Or I will come and will fight against them with the sword of my mouth. Sinon je viendrai et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. The leader in Pergamos of the Babylonian priesthood, he had a sword. Alors le leader à Pergame du sacerdoce babylonien, il avait une épée. And Christ has a sword. Et le Christ a une épée aussi. And Christ's sword is the word. Et l'épée du Christ est la parole. And Christ wages war with the word. Et le Christ fait la guerre avec la parole. And the false Babylonian priest will also have a sword. Et le faux prêtre babylonien, il aura aussi une parole, une épée. So he has a falsified word of God. Et il a une falsification de la parole de Dieu. Wherewith he wages war against the Son of God. Et avec cette parole, il fait la guerre contre le Fils de Dieu. So the church went from white. Et alors l'église à son commencement qui était blanche. To martyrs. Passa par une période de martyrs. And that cleaned them up. There was nothing bad about them. Et cette période a purifié l'église. Il n'y avait pas de reproche. Satan couldn't destroy Christ's church. Et alors Satan n'a pas pu détruire l'église de Christ.
With all the blood he spilled, he couldn't wipe them out. Avec tout le sang qu'il a versé, il n'a pas pu les vaincre. And so he came with this trick. Et alors il est arrivé avec un tour habile. He started blending paganism with Christianity. Il a commencé à mélanger le paganisme avec le christianisme. And that was the downfall of the church. Et voilà, la chute de l'Église a commencé. So let's read on. Mais nous lisons. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. Nous continuons à lire. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. And I will give him a white stone. Et je lui donnerai un caillou blanc. Not the Babylonian white stone of own righteousness. Mais ce n'est pas comme la pierre blanche de babylonienne qui représentait sa propre justice. And a stone with a new name written on it. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. And nobody must know that name except the one that receives it. Et que personne ne connaît s'il ne sait celui qui le reçoit. So there is modern Pergamos. Et voilà la ville de Pergame moderne. And I was there at a market. Et j'étais là à un marché. And it's like living in the Middle Ages. Et c'est comme vivre au Moyen Âge. There's nothing left of the ancient city. Il n'y a rien qui reste de l'ancienne ville. There are some red halls, but that's later. Et voilà des ruines rouges qui viennent après ce temps. There was a temple of Dionysus. Il y avait un temple à Dionyse. Temple of Trojan again. Dionysus et le temple à Trojan. And then that famous temple of Zeus. Et aussi le temple fameux de Zeus. Where that famous altar was. Où existait cet autel fameux. And you know where that altar is today? Et savez-vous où cet autel se trouve aujourd'hui? In the Pergamum Museum in Berlin. Dans le musée de Pergamum à Berlin. How did it get there? Et mais comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Well, Kaiser Wilhelm. Alors l'empereur Guillaume, Kaiser Wilhelm, took it to Germany. Il l'a amené en Allemagne. And so when the people of Istanbul and that area said, "Excuse me, how can you just take our famous temple away?" Et alors quand les gens de la région lui ont demandé qu'est-ce qu'il faisait, comment pouvait-il leur ôter le temple fameux? He says, "Well, I'll give you a little well in its place." So he had this well built in the place. Il leur dit il allait leur donner un petit puits à la place du temple, et c'est ce qu'il a fait, et il fit construire ce puits à la place du temple. You want to know a little bit of other interesting history? Et voulez-vous savoir un petit peu plus d'histoire? When Adolf Hitler, quand Adolf Hitler became the Chancellor of Germany, il est devenu le chancelier de l'Allemagne. He had a replica of the Temple of Zeus and the Pergamos temple made behind him. Il a fait construire une copie du temple de Zeus et de le temple de Pergame à son inauguration, qui était visible derrière de lui. And he became the head of the fascist state. Et il est devenu la tête d'un état fasciste. Oh, I've got interesting news for you. Et j'ai des nouvelles intéressantes pour vous. There's only one other man who dared to do that in modern history. Il y a seulement un autre homme, une autre personne qui a osé faire la même chose dans l'histoire moderne. And who accepted the presidential candidature with the Temple of Zeus backdrop behind him. Et qui a accepté la candidature présidentielle avec l'arrière-fond du temple de Zeus. Do you know who that was? Savez-vous qui c'était? President Obama. Le président Obama. Life is very interesting. Alors, la vie est très intéressante. Here you have the Asclepios picture of the serpent spitting his poison into the water. Voilà l'image de Asclepios, le dieu serpent qui crache du venin dans l'eau. Be careful of the serpent's poison in what you drink. Et alors attention au venin du serpent de ce que vous buvez. This is where the people of Pergamos went and where they sat and watched the artists of the time. Et voilà où les gens de Pergame se réunissaient et allèrent voir les artistes de leur temps. And so it was a time of great pomp and riches. Et alors c'était un temps de grande pompe et richesse. Here's an ancient well. Et voilà un puits ancien. So we move on to from the time of compromise. Et alors nous avançons à l'histoire après ce temps de compromis. And we come to the church of Thyatira. Et nous arrivons à la période symbolisée par l'église de Thyatira. And this means sweet savor of labor. Qui signifie un parfum doux de travail.
It means sacrifice of contrition. Le nom de Thyatira, qui signifie aussi un sacrifice de pénitence. And it means Satan's teaching. Et ça signifie aussi l'enseignement de Satan. This is a ripening of the great apostasy. Et voilà, nous arrivons au mûrissement de la grande apostasie de l'Église. In 538 AD, 538 après Jésus-Christ, Justinian, the emperor of Rome, Justinien, l'empereur de Rome, declared the bishop of Rome as the corrector of heretics. A déclaré que l'évêque de Rome était le correcteur des hérétiques. And Thyatira is the middle church. Et Thyatira est l'église qui est au milieu de l'histoire. And even the Roman historians say this is the Middle Age church. Et même les historiens catholiques nous disent que c'était l'église du Moyen Âge. Even Holzhauser was a Roman Catholic, said it is the church of the Middle Ages. Même Holzhauser, qui était un catholique, nous dit que celle-ci est l'église du Moyen Âge. Let's get a little bit of history here. Mais voilà un petit peu d'histoire. In that city they had the temple of Apollo, the sun god. Dans cette ville, il y avait le temple de Apollon, le dieu soleil. In that temple was an altar to a female goddess. Et dans ce temple, il y avait un autel avec une déesse. In that city they had a textile industry. Dans cette ville, il y avait une industrie textile. And they made garments of purple and crimson. Et ils produisaient des vêtements en couleur pourpre et cramoisie. Which church uses purple and crimson? Quelle église utilise le pourpre et les cramoisies comme couleur? And then in the story, there's a Jezebel. Et après, dans cette histoire, il y a une Jézabel. Now, who was Jezebel? Et qui était Jézabel? She was the Phoenician princess who was married to Ahab. Elle était une princesse phénicienne qui était mariée avec Ahab. She was a sun worshipper. Ahab, un roi d'Israël, et elle adorait le soleil. She worshipped Baal. Elle adorait Baal. But she also tolerated Asherah. Et elle tolérait aussi Astarté, which was the female goddess. Qui était la déesse. And she took the whole Israel and led them into sun worship. Et Jézabel conduit à tout le peuple d'Israël à l'adoration du soleil. And you had priests of Baal and you had priests of Asherah. Et alors en ces temps, ils existaient les sacerdotes de Baal et de Astarté. Is there a church today that gives equal emphasis to a male and a female in their plan of salvation? Est-ce qu'il y a une église aujourd'hui qui utilise la figure d'un homme et d'une femme dans le plan du salut et qui leur accorde la même importance pour le salut? This is a fantastic typology. Let's read the story. Et c'est donc une typologie, une symbologie très fascinante. I know your works and your charity and your service and faith. Nous lisons le texte, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, patience and works, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que and les premières, to be more than the first. Plus nombreuses que les premières. Remember, please, that this is written to God's church. Alors, rappelez-vous que ce texte est écrit à l'Église de Dieu. But it talks about all the wrong influences that have come into the church as well. Mais ça nous parle aussi de toutes les influences mauvaises qui sont entrées dans l'Église. So there's a shift from salvation by faith to salvation by works. L'importance se déplace du salut par la foi au salut par les œuvres. And I have a few things against thee. Mais ce que j'ai contre toi, dit le texte, is the rebuke. Et voilà le reproche. You suffereth that woman Jezebel, c'est que tu laisses la femme Jezebel, which calls herself a prophetess, qui se dit prophétesse, Jezebel, back to King Ahab. Jezebel, on retourne au roi Ahab. She's a prophetess, she has a priestly ministry. Elle est donc une prophétesse, elle a donc un ministère sacerdotal. And she teaches. Et le texte dit, elle enseigne. And she seduces my servants to commit fornication. Et elle séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. False religion. C'est donc une fausse religion. To eat things sacrificed unto idols. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. How did things that were to be eaten become idolatry. Et comment est-ce que c'est passé que les choses qu'on mangeait se convertirent en idolâtrie? Isn't there a church that teaches? N'y a-t-il pas une église qui enseigne that the sacrifice of the bread,
que le sacrifice du pain is a literal sacrifice of the living Christ. C'est un sacrifice littéral du Christ vivant. So that he becomes a corpse, a corpus Christi. Et alors il se convertit en corps, en corpus Christi. When the Bible teaches, mais la Bible nous enseigne that by one sacrifice he has forever made perfect. Que Dieu, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Hébreux 10, 14. And Protestantism brought people back to the Lord's Supper as a symbol. La réforme protestante a redirigé les fidèles à prendre part au repas du Seigneur comme un symbole. Donc le repas du Seigneur reste un symbole du salut accompli par Jésus-Christ. So this church starts tolerating the doctrines of Jezebel. Et donc cette église commence à tolérer les doctrines de Jézabel. They are bringing back idol sacrifices. Et les sacrifices aux idoles reviennent. And instead of a church, et à la place d'une église, they have a cathedral. Ils ont une cathédrale. And a cathedral is a temple. Et une cathédrale est un temple. And in a temple, there's an altar. Et dans un temple, il y a un autel. And on an altar, there's a sacrifice. Et dans un autel, il y a un sacrifice. But Jesus is already sacrificed. Mais Jésus a été déjà donné en sacrifice. So how come you're bringing back a sacrifice? Et alors pourquoi faut-il présenter encore un sacrifice? And I gave her space to repent of her fornication. Verse 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. The Lord has given this church much time to repent. Le Seigneur a donné à cette église beaucoup de temps pour se repentir. But she repented not. Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. And I will cast her into a bed. Voici, je vais la jeter sur un lit. And them that commit adultery with her, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Into great tribulation, et envoyer-leur une grande tribulation. Except they repent of their deeds. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. In this middle church, et alors, dans cette église du Moyen-Âge, you had the great plagues, où nous avons eu les épidémies de la peste. This church has had every opportunity to repent. Cette église a eu toute opportunité pour se repentir. But the Bible says she will not. Mais la Bible nous dit qu'elle ne va pas se repentir. And I will kill her children. Je ferai mourir de mort ses enfants. This church has children. Est-ce que cette église a des enfants? Is there a church which calls herself the mother of all the churches? Est-ce qu'il y a une église qui s'appelle à soi-même la mère de toutes les églises? Well, then she has children. Bon, alors elle a des enfants. And all the churches shall know that I am he that searches the reins and the heart. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. And I will give unto every one of you according to your works. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. But now, some good news. Mais voilà les bonnes nouvelles. Unto the rest of you in Thyatira, verset 24, à vous et à tous les autres de Thyatire, as many as have not this doctrine, qui ne reçoivent pas cette doctrine, and which have not known the depth of Satan, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, hold on. Il leur dit, that's what he says. Hold on. Résistez. Résistez. I will put on you none of the burdens, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. But hold fast till I come. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. He that overcometh and keepeth my works, à celui qui vaincra unto the end, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, to him will I give power over the nations. À ces personnes, je leur donnerai autorité sur les nations. All our works are filthy rags, says the Bible. Toutes nos œuvres sont comme des vêtements souillés, dit la Bible. Nous pouvons être sauvés seulement par les mérites du Christ, dit la Bible. These would want to be saved by their merits. Mais ces personnes voulaient être sauvées par leurs mérites. And here's also the first reference to the coming of Christ. Et nous trouvons ici dans le texte aussi la première référence au retour du Christ. So we've moved in history from the earliest church. Alors nous avons avancé dans l'histoire de la première église. To early persecution, à une période de persécution, to a time of compromise, à un temps de compromis, to a time of complete apostasy. Et nous sommes arrivés à un temps d'apostasie complète. Is God going to leave the world in such darkness? Est-ce que Dieu va laisser le monde dans cette obscurité totale?
If you go to the eastern world, you see the minarets. Si vous allez au monde de l'Est, vous verrez les minarets. But you also see the ancient pagan obelisks. Mais vous verrez aussi les obélisques anciens païens. If you go to Rome, si vous allez à Rome, you have the obelisks of Egypt there. Vous retrouvez les obélisques de l'Égypte. If you go to the main church in Rome, si vous allez à l'église principale à Rome, which is St. John's Lateran, qui est l'église de Saint Jean de Latran, you have the obelisk of Thutmose III. Vous retrouvez l'obélisque de Thoutmôsis le troisième. Introduced sun worship. Le pharaon qui a introduit l'adoration du soleil en Égypte. Now what is that doing as the symbol of the Church of Rome? Et qu'est-ce que ça fait cette construction comme symbole de l'église de Rome? Here you have the triple crown of Rome. Et vous avez ici la tiare, la triple couronne papale. Which means king of heaven, earth and the underworld. Qui indique le pape comme le roi des cieux, de la terre et des enfers. So history progresses past the church of the Middle Ages. Alors l'histoire avance après l'église du Moyen Âge. And we come to Sardes. Et nous arrivons à Sardes. Which means renewal. Qui signifie renouvellement. Which means reformation. Qui signifie réforme. Now, here's some interesting and some sad history. Et voilà des parties intéressantes et tristes de l'histoire. This city was impregnable. Cette ville était inexpugnable. And yet twice in its history it was conquered without a shot. Mais deux fois dans l'histoire, elle fut conquise sans guerre. In the time of Cyrus and Antiochus. Dans les temps de Cyrus et de Antiochus. Let's read it. Lisons. So unto the pastor, the angel of the church of Sardes. Apocalypse 3:1, écrit au pasteur, à l'ange de l'église de Sardes. Says he who has the churches in his hand, the stars. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. I know thy works. Je connais tes œuvres. That thou hast the name that thou livest. Je sais que tu passes pour être vivant. And art dead? Et tu es mort. Excuse me. Qu'est-ce qui se passe? Be watchful and strengthen the things which remain. Sois vigilant et affermis le reste. That are ready to die. Qui est prêt de mourir. For I have not found thy works perfect before God. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. So here comes a time of renewal. Et alors ici, ça commence un temps de renouvellement. And history tells us we did have a time of renewal called the Reformation. Et l'histoire nous dit que nous avons eu un temps de renouvellement qui s'appelait la réforme, correct? Is this reformation perfect or imperfect? Est-ce que cette réforme fut parfaite ou imparfaite? It's imperfect. Selon le texte, elle fut imparfaite. It's imperfect. Imparfaite. You're not going to strengthen those things which remain. Elle ne va pas raffermir ce qui reste. Remember how you have received. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu. And heard and hold fast and repent. Et entendu et garde et réponds-toi. And if you don't, I will come as a thief. Et si tu ne réponds pas, je viendrai comme un voleur. And you will not know the hour. Et tu ne sauras pas à quelle heure. Do you know that the Bible says? Savez-vous que la Bible nous dit que nous ne sommes pas en ténèbres et en tant que pour le jour du retour de Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 5:4. Et voulez-vous me dire que les églises de la réforme pourraient rester en ténèbres en tant que le jour du retour du Christ? It's not all bad news. Mais ce ne sont pas seulement des mauvaises nouvelles. There are a few names in this renewal movement Sardes which are Pero not defiled. Il y a quelques noms dans le mouvement de renouvellement de Sardes qui ne sont pas souillés. And they shall walk with the Lord in white. Et ils marcheront avec moi en vêtements blancs. They are worthy. Ils sont dignes. There were great martyrs, there were great people who stood for truth. Il y a eu des grands martyrs et des personnes notables qui défendirent la vérité. It says here their names will not be blotted out of the book of life. Et le texte nous dit que ces noms ne seront pas effacés du livre de la vie. But I will confess his name before my father and before his angels. Et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges. Doesn't the Bible say that if we confess Jesus's name, he will confess our name? Ne nous dit pas la Bible que si nous confessons le nom de Jésus, il va confesser notre nom aussi? This is all that's left of Sardes. C'est tout ce qui reste de la ville de Sardes.
It's quite a nice building. C'est un beau bâtiment. And there's another public toilet. Et voilà encore une fois une toilette publique. A very interesting lady sitting on this toilet. Et voilà une dame très intéressante qui est assise sur cette toilette. Fortunately, she is fully dressed. Et bon, elle est habillée, c'est bien. This lady comes from the Islamic world. Cette dame vient du monde islamique. And she accepted Jesus Christ as her personal savior. Et elle a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Fascinating story. Une histoire fascinante. Now here's an old church in that place. Et voilà une vieille église, une ancienne église dans cet endroit. It's not from the time of Sardis. This is a Byzantine church, bueno, much later. Ce n'est pas du temps de Sardes, c'est du temps de Byzantin après ça. But here it's completely filled up and it's a ruin. It's a piece of farmland. Mais ici c'est juste une ruine, un champ pour l'agriculture. And there's also an ancient synagogue here in this town. Il y a ici une synagogue ancienne dans cette ville de Sardes. And you can bet your bottom dollar that Paul stood right there. Et nous pourrions mettre notre main au feu que Paul visita cette synagogue. Why? Because the Bible says, as his custom was, every Sabbath he went to the synagogue to reason. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que comme c'était l'habitude de Paul, chaque sabbat il allait à la synagogue pour parler et adorer avec les fidèles. So this was the ancient synagogue. Et voilà donc l'ancienne synagogue. Now, let's jump in history to the time of spiritual Sardis. Et voilà, nous avançons dans l'histoire et nous parlons du temps de la Sardes spirituelle. Anybody know that city? Est-ce que vous connaissez cette ville? It's Prague. C'est Prague. And it's in the Czech Republic. Et c'est dans la République tchèque. And there was a man who will be dressed in white one day. Et là, il y avait un homme qui sera vêtu en blanc un jour. Il habitait ici et il était prêt à mourir pour ce qu'il croyait. And there is his statue. Voilà sa statue. It's Johann Hus. C'est John Hus. You know what Hus means? Savez-vous que ce que Hus signifie? It means goose. Hus signifie une oie. And at the Council of Constance, oie comme le foie d'oie. When they promised him free passage, et au concile de Constance, ils lui avaient promis un laissez-passer qui sauvegarderait sa vie. They burnt him at the stake. Mais ils l'ont brûlé sur le bûcher. What was his sin? Et quel était son péché? He said it's wrong to do the mass as they did it. Il disait que c'était mal de pratiquer la messe comme ils le faisaient. And he was a man for the Bible rather than for doctrines of men. Et il se basait sur la Bible et pas sur les doctrines d'hommes. And he followed the teachings of Wycliffe. Et il suivait les enseignements de Wycliffe. And at that same council, et dans ce même concile, more than 40 years after Wycliffe's death, qui eut lieu à plus de 40 ans après la mort de Wycliffe, they not only decided to kill Hus, ils n'ont pas seulement décidé de tuer Hus, but they decided to dig up the bones of Wycliffe and burn them as well. Mais ils ont décidé aussi de déterrer les os de Wycliffe et de les brûler. So these are the men of Sardis. Et voilà donc les hommes de Sardes. And here is an ancient song that they used to sing in their churches. Yes. Et voilà une ancienne chanson qu'ils chantaient dans leurs églises. And there it is where they condemned the king of Babylon. Et là voilà où ils condamnaient le roi de Babylone. Who they say lived in Rome. Qui disait qu'il vivait à Rome. So the Bible says there has a few names even in Sardis which have not defiled their garments, and they will walk with me in white, and they are worthy. Revelation 3:4. Et alors Apocalypse 3:4, la Bible nous dit que cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. This is a famous bridge which goes over the river that runs through Prague. Alors voilà le fameux pont qui croise la rivière de Prague. And here at this portal they used to cut up the Protestants. Et à cette entrée, ils coupaient les protestants, les Hussites. They would hang their heads and their arms and their legs there. Et ils suspendaient leurs têtes et leurs bras et leurs jambes. So that people would not join them. Pour éviter que les gens s'unissaient à eux. And when you walk over that bridge, et quand vous passez par ce pont, you have all the saints there and all the idolatry. Vous avez tous les saints et toute l'idolâtrie.
Can you see this spot over here? Pour voir cette tache ici. That's brass where the people touch it to venerate it, and that's why it shines like that. C'est du cuivre, cuivre qui brille de cette façon parce que les gens passent et le touchent. So this is the story of the Reformation. Et voilà l'histoire de la réforme. And then there was Martin Luther. Et après il y a eu Martin Luther. Who said you are not saved by decrees, you are saved by grace. Qui disait qu'une personne n'est pas sauvée par des décrets mais par la grâce. And this here is la Santa Scala. Et vous voyez aussi la Santa Scala. La Santa Scala is the stairway. Et alors la Santa Scala c'est des escaliers. That is in Rome. Qui existe à Rome. And Rome teaches that this is the actual stairway where Jesus stood before Pilate. Et alors Rome nous enseigne que Jésus se trouva devant Pilate lors de sa passion sur ces escaliers. And they took the stairway and it somehow went with angels to Rome. Et apparemment les anges ont porté ces escaliers à Rome. And when Martin Luther crawled up here on his knees like these people are. Et quand Martin Luther montait sur ses genoux comme ces personnes le font. He heard the voice which says the just shall live by faith. Oh, il a entendu une voix qui disait le juste vivra par la foi. And here he stood before Kaiser and emperors. Et le voilà devant les empereurs, le Kaiser. And said here I stand I can do no other so help me God. Et qu'il dit, il en est donc ainsi et je n'y puis rien que Dieu m'aide. So the Bible says that this time period was not perfect. Et alors la Bible nous dit que cette période de temps n'était pas parfaite. But that there were noble men in it. Mais qu'il y avait des personnes nobles. And the next church is Philadelphia. Et la prochaine église s'appelle Philadelphie. Which means brotherly love. Et qui signifie amour fraternel. And it was called Philadelphia. Et elle s'appelait Philadelphie. Because the king who built it had a great love for his brother. Car le roi qui l'a construit avait un grand amour pour son frère. It's a fascinating story. Et c'est une histoire fascinante. Now, immediately after the time of the Reformation. Et alors tout de suite après le temps de la réforme. Was the time of the great missionary actions upon this earth. Commença un temps à des grands efforts missionniers dans le monde. Because the city was an open door, it formed a gateway. Et voilà, cette ville était une porte ouverte. And the gospel went to India, into China, into Africa. Et aussi dans l'histoire, l'évangile a commencé à aller en Indie, en Chine, en Afrique. And it was all in the late 1700s to the early 1800s. Et cette période commença à la fin des 1700 et au commencement des 1800. Now this is interesting history. Et alors c'est une histoire intéressante. So to this church in Philadelphia write these things. Et alors à cette église à Philadelphie écrit ces choses. From the one who is holy. De celui qui est saint. Who has the key of David. Celui qui a la clé de David. He openeth and he shutteth. Celui qui ouvre et personne ne fermera. And what he shuts, nobody can open. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. So he's passing from one chamber to another. Et alors il passe d'un endroit à d'un local à l'autre. And he knows their works. Et il connaît ses œuvres. And he's opened the door for them. Et il a ouvert une porte pour eux. And you have little strength. It's a small group. Alors il sait qu'ils ont peu de force, de puissance. C'est un groupe petit de personnes. And you have kept my word. Et ils ont gardé sa parole. And you have not denied my name. Et ils n'ont pas renié son nom. So from imperfect restoration. Alors d'une restauration imparfaite. You come to a small group who goes back to the Bible and the Bible alone. Nous arrivons à un petit groupe de personnes qui retournent à la Bible et seulement à la Bible. You've kept my word. Qui ont gardé sa parole. They put Christ back into the middle. Et ils ont mis Christ au centre de leur religion. Now was there a movement in history that shed off the darkness of the Middle Ages completely? Est-ce qu'il y a eu un mouvement dans l'histoire qui a laissé l'obscurité du Moyen Âge vraiment à côté? It says, behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Et voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent.
I will come and make them worship before thy feet. Voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds. To know that I have loved thee. Et connaître que je t'aimais. Because you have kept my word of my patience. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. I will also keep you from the hour of temptation. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Which shall come upon the world to try them that dwell upon the earth. Qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Behold, I come quickly. Je vais bientôt. Hold fast. Retiens. Which thou hast. Ce que tu as. That no man take thy crown. Afin que personne ne prenne ta couronne. So here we have from I'm coming soon to I'm coming quickly. We've passed on in history. Alors ici, nous avançons dans l'histoire et Jésus nous dit « Je viens » et maintenant il nous dit « Je viens bientôt ». Alors nous nous rapprochons au retour du Christ. So here in the early 1800s, there was a group of people from all denominations. Et alors ici, au commencement des 1800, il y avait un groupe de personnes qui venaient de toutes les dénominations. Who believed that Jesus was coming again. Qui croyaient que Jésus allait revenir. And they were mocked. Et les personnes se moquaient d'eux. And they were thrown out of their churches. On les expulsa de leurs églises. Go and read the history and you will find that it is so. Alors lisez l'histoire et vous trouverez que les choses se sont passées comme ça. And they believed that Jesus had moved from one chamber to another chamber. Et ils croyaient que Jésus s'était déplacé d'un endroit, d'un local à un autre endroit, au local aux cieux. They were a small group. Et c'était un groupe petit. I was there in Philadelphia. Et alors j'ai visité Philadelphie. The ruins are gone. There are some old buildings and little children. Bon, les ruines n'existent plus, mais il y a des anciens bâtiments. And God gave me an object lesson. Et Dieu m'a donné une leçon. I was a young Christian. J'étais un jeune chrétien. I had a head knowledge of Christianity. Alors, j'avais une connaissance théorique du christianisme. I knew much about the prophecies already. Je savais déjà beaucoup sur les prophéties. But I had no idea of Christian love. Mais j'avais aucune idée sur ce qui était l'amour chrétien. And in our tour, there was an old lady. Et dans notre tour, il y avait une vieille dame. Who smoked cigars. Qui fumait des cigares. And she was strange. Et elle était bizarre. And we sort of, you know, kept away from her. Et alors, on gardait un petit peu la distance d'elle. And here in this old street, I was looking down the street. Et voilà, dans cette ancienne rue, je regardais en bas. And there came walking this old woman. Et j'ai vu monter cette vieille dame, une autre dame. Old and bent. Vieille et courbée. And when she came to this woman that we all frowned upon. Et quand elle est arrivée près de cette dame, celle qui était un petit peu bizarre. With her big smelly cigars. Avec ses cigares. This woman crossed the road. Cette ancienne dame courbée, elle a traversé la rue. Hugged her. Elle l'a embrassée. Kissed. Elle lui a donné un bisou. A total stranger. Une personne totalement étrange, elle la connaissait pas. In an Islamic country. Dans un pays islamique. Would go to a Christian with a cigar and kiss her and hug her. Qui est allée vers une dame avec un cigare chrétienne et l'a embrassée. And I was still irritated. Moi, j'étais très irrité. Because I wanted a picture of her alone. Je voulais une photo de cette dame ancienne courbée. And this other woman was always in the way. Et seule, mais cette autre dame était toujours là. And I thought in my head, go away, go away. I want this old woman by myself. Et je pensais, éloigne-toi, éloigne-toi. Je veux une photo de cette vieille dame seule. And when she came past me, et quand elle s'est approchée, she gave me a look I'll never forget. Elle m'a regardé d'une telle façon que je ne vais jamais oublier son regard. It cut right through me. Ça m'a vraiment frappé. It was a look of such rebuke. C'était un regard qui me condamnait de telle façon. And then she walked past. Et alors elle est marchée auprès de moi. And I thought, where is she going? Et je pensais, elle va où? And she was gone. Et tout d'un coup, elle a disparu. And there was nowhere she could go. Il n'y avait pas d'endroit où elle pouvait disparaître. Elle avait disparu. To this day, I think it was an angel. Jusqu'au présent, je pense que c'était un ange who tried to tell me qui a tâché de me dire that brotherly love and relationships with others is more important than a head religion. Que l'amour fraternel et les relations avec les autres, c'est plus important qu'une religion qui est seulement dans la tête.
To him that overcometh, I will make a pillar in the temple of God. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. So he'll be part of God's church forever. Fera partie de l'église de Dieu pour toujours. And I will give him this name of the city of my God, which is the New Jerusalem. Et je lui donnerai le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'après mon Dieu. And from this new beginning, no rebuke in this church. Et de ce nouveau commencement, il n'y a pas de reproche dans cette église. We come to the last church on earth. Nous arrivons à la dernière église sur l'histoire de la terre. That must have developed out of this church of brotherly love. Qui doit avoir eu ses racines de cette église de l'amour fraternel. That taught that Jesus is coming soon. Qui enseignait que Jésus venait bientôt. Now let's look at this church. It's called Laodicea. Alors analysons un petit peu cette église qui s'appelle Laodicée. And it means nation of judgment. It's the last church. Et qui signifie la nation de jugement. C'est la dernière église. Antiochus built it for his wife. Antiochus construit cette ville pour sa femme Laodicée. Now look at these interesting parallels. Voyez donc ces parallèles intéressants. They had a health resort there. Ils avaient une station thermale là-bas. They made an eye salve called collyrium. Ils faisaient un baume pour les yeux appelé collyr. They were very wealthy. Ils étaient très riches. They were destroyed by an earthquake. Ils furent détruits par un tremblement de terre. They rebuilt it with their own money. Ils construisent leur ville avec leur argent. And this is what it looks like today. Yeah. Et voilà comme ça se voit aujourd'hui. They're busy excavating it now. Ils sont encore en train de fouiller les ruines. There's the old amphitheater. It's not yet dug out. Voilà le vieux amphithéâtre qui n'a pas encore été fouillé. And here was their water system. Et voilà le système de canalisation qu'ils avaient. And they brought water, hot water from hot springs far away. Ils canalisaient donc l'eau chaude des sources thermales chaudes de loin. And by the time the hot water got there, it was lukewarm. Et quand l'eau chaude arrivait à la ville, elle était tiède car elle arrivait de loin. Now this water had healing properties. Alors cette eau, elle avait des propriétés curatives. And if you drank it hot, et si on la buvait chaude, you could drink it. On la pouvait boire. If you drank it cold, you could drink it. Et si on la buvait froide, on la pouvait boire. But if you drank it lukewarm, it made you nauseous. Mais si on la buvait tiède, elle donnait de la nausée. And you wanted to et la personne voulait vomiter. Interesting. Intéressant. I know your works, you are neither hot nor cold. Je connais tes œuvres, dit le texte, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. It would be better for you if you were either hot or cold. Puisses-tu être froid ou bouillant? But you are lukewarm. Ainsi parce que tu es tiède. And you are not hot nor cold. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. I will spit you out of my mouth. Je te vomirai de ma bouche. Here's a lukewarm church. Et voilà une église tiède. Here is the hot springs at Pumicali. Et voilà les thermes à Pumicali. From where they piped this hot water to Laodicea. Où ils canalisaient l'eau jusqu'à l'Odyssée. And to this day, the people wash and bathe there to get healed. Et jusqu'à ce jour, ils ont des bains thermales là-bas pour recouvrer la santé. And the water is full of minerals, so it makes this white calcium deposit. Et l'eau, elle a beaucoup de minéraux et elle fait des dépôts de calcaire blanc, comme vous voyez. And you sit there in these hot springs to get cured of your ailments. Et alors vous vous baignez dans cette source chaude pour recouvrer la santé. There's a lady making bread. Et voilà une dame qui prépare du pain. Amphitheatres, and camels that need to go to the dentist. Et des chameaux qui ont besoin d'un dentiste. And it says, because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing. Verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. So here is a church. Et voilà une église. That is rich in knowledge. Qui est riche en connaissance. It knows the doctrines. Elle connaît les doctrines. It's perfect when it comes to its doctrines. Elle est parfaite quand on considère ses doctrines. Everything was restored in Philadelphia. They went back to the word. Tout a été restauré en Philadelphie. Ils ont retourné à la parole. But they're so confident of their knowledge that they become lukewarm. Mais ils ont une confiance telle dans leur connaissance qu'ils deviennent tièdes. And they know not that they are wretched and miserable and poor and blind and naked. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. I counsel you to buy from me gold tried in the fire. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu.
So that you may be rich. Afin que tu deviennes riche. So here's the bad news. Et alors voilà les mauvaises nouvelles. This is the last church on earth. C'est la dernière église sur la terre. It's a lukewarm church. C'est une église tiède. It's rich in knowledge. Elle est riche en connaissance. But it's pathetic. Mais elle est misérable. So if you're looking for a church that's perfect, alors si vous cherchez une église qui est parfaite, then you won't find it here. Vous ne la trouverez pas. And if you're not here, then you're in Babylon. Et si vous n'êtes pas dans cette église, vous êtes en Babylone. So, I have to belong to a pathetic church. Alors je dois appartenir à une église qui est misérable. Now how will the Lord deal with me in a pathetic church? Et comment est-ce que va le Seigneur me traiter dans une église qui est misérable? He'll put me in the fire of affliction. Il me va faire passer par le feu de l'affliction. And through hardship, he will teach me his way. Et avec les épreuves, il va m'enseigner sa voie. So that I can have white raiment. Pour me permettre d'accepter une robe blanche. And my shame and my nakedness can disappear. Et pour couvrir ma honte et nudité. That I will make him more important than my knowledge. Pour faire Dieu plus important que ma connaissance. That I will have more compassion for those who do not know. Et pour avoir plus de compassion pour ceux qui ne connaissent pas la vérité. Rather than condemnation. Que condamnation. This church, this final church, is a nightmare to belong to. Alors, cette église finale, c'est un cauchemar d'y appartenir. But it's the last one. Mais c'est la dernière. And then it says over here. Et nous lisons encore. Anoint thine eyes with eye salve. Et un collier pour oindre tes yeux. So that you can see. Afin que tu voies. And as many as I love, I rebuke and chasten. Et moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. So if you belong to this church, you will have a hard time. Alors, si vous appartenez à cette église, vous aurez des temps difficiles. And you will say, Lord, I thought I was in the truth, and now look at this pain and this suffering that I'm going through. Vous direz, Seigneur, je croyais être dans la vérité, mais regarde toute cette douleur et toute cette souffrance par laquelle je dois passer. And around you, you have pathetic, condemning friends. Et vous aurez des amis qui sont misérables et qui vous condamnent. Well, here they had some of this plant material growing here. Et voilà des plantes qui poussaient dans cette région qui s'appelle Geberet. Collecting it to heal others with. Et les gens les ramassent aujourd'hui pour guérir des autres personnes. Health ministry in that church. Dans cette église, il y a un ministère de santé. So I think the last church will have a health ministry too. Et je crois que l'église dernière aura aussi un ministère de santé. And it says I stand at the door and knock. Le texte dit voici, je me tiens à la porte, je frappe. So we knocked at this door. Et alors on a frappé à cette porte. And you know what, the people came out and they were so friendly. Et savez-vous, les gens sont sortis, ils étaient tant sympathiques. And here I was sitting at the city with the old Laodicea there in the background. Et me voilà là à Laodicée, en voyant Laodicée au fond de la. And the harvest was ripe. De l'image, et la récolte était prête. And I believe the harvest is ripe today. Et je crois que la récolte est mûre aussi aujourd'hui. We are going home very soon. Et nous partirons aux cieux bientôt. And the Lord will have to cleanse us in this church. Et le Seigneur va devoir nous purifier dans cette église. You know, all the other churches. Savez-vous toutes les autres églises dans l'histoire? The Bible says, if you do not repent, I will take your candlestick and give it to someone else. La Bible leur dit, si vous ne repentez pas, je vais prendre votre chandelier et le donner à une autre église. Not in Laodicea. Mais ça ne se passe pas en Laodicée. He says, if you do not repent, I will spit you out. Le texte dit, si tu ne te repens pas, je vais te vomiter. There's no taking away of the candlesticks, there's only a spitting out. Le chandelier ne vient plus passer, il va seulement les vomiter. So I want to stay in this church. Alors moi je veux bien rester dans cette église. I'm not going to move. Je ne vais pas bouger. But the day is coming when the Lord will spit out everyone that's lukewarm. Mais le jour va arriver quand le Seigneur va vomiter toute personne qui est tiède ou froide. And I want to remain in this church. Et je veux rester dans cette église. And I don't care how much suffering the Lord puts me through. Et ça ne m'importe pas combien de souffrances le Seigneur va me donner.
Because I have two choices. Parce que j'ai seulement deux choix. I can choose between two B's. Je peux choisir entre deux A. I can either get better. Je peux améliorer. Or I can become better. Ou je peux devenir une personne amère. By the Lord's grace, I'd rather become better. Alors par la grâce de Dieu, je veux améliorer. So behold, I stand at the door and knock. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. If any man hear my voice and open the door, I will come in and will sup with him. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. And to him who overcometh, I will grant to sit with me in my throne. Et à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Even as I also overcame and sat down with my father in his throne. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône. So don't give up. Alors renoncez pas. If you find Laodicea, stay in it. Si vous trouvez l'église de Laodicée, restez dans elle. Though the heavens fall. Même si les cieux tombent. They must be word-based, they must have the truth. L'église doit être basée sur la parole, elle doit avoir la vérité. And if they go through the fire of affliction, et si elle passe par les feux de l'affliction, and rediscover the Philadelphia experience, et redécouvre encore l'expérience de Philadelphie, which is not a spirit of condemnation, but a spirit of love, qui n'avait pas un esprit de condamnation, mais un esprit d'amour, then we'll be in the kingdom of God forever. Nous resterons dans le règne de Dieu par toujours. A sweep through history. Alors, un voyage à travers de l'histoire du christianisme. And may God help us to take it to heart. Et que Dieu nous aide à apprendre les leçons de quelles nous avons parlé. Amen.